a une importance très capitale parce que au sein du PK5, on a à peu près dans le 3e arrondissement 25 000 habitants. Il fallait réhabiliter ce centre parce qu'il était vétuste. Aujourd'hui, il a une très grosse capacité. Vous aurez donc une maternité à ma gauche et à droite, c'est un dispensaire. Avant sa réhabilitation, tout le personnel soignant n'avait pas de bureau. Ça, c'est bien. Aujourd'hui, chacun a son bureau. On avait que 16 salles de classe pour 49 sections. Et c'était un peu difficile. Pourquoi? Parce que c'est un système d'alternance où c'est le premier cycle qui vient le matin, le second cycle vient le soir. Nous avons bénéficié de 30 salles de classe, ce qui a fait que le nombre total de salles s'élève à 46 salles de classe. Donc présentement, on a pu quand même résoudre le problème de ratio élève-table-banc, de ratio salle de classe. Le Lekeso, à ça la Njoni na Beti et puis à ça la Njoni na Beta population, le Mangati, Yeso a changé à Lekedani, na Yetchitongana, même Gunja Pangati Pika, il y a un souci, Pepe, Timoul Europe, il dit, il s'en a poussé la Ti, il y a une difficulté, Pepe. Il y a fini à Zomingi, Zolu na Kati, Sengue, le Hunga, quoi faire, le gars, il y a formé le, qui a descendu, il y a un gars, il y a un gars, il y la construction du canal Boaba, je vous assure, les gens ne vivent pas très bien avec les moustiques, avec l'eau qui est stagne. Nous qui sommes autorités locales, nous sommes satisfaits de ce projet, les prisons 1 et 2. Aujourd'hui, il n'y a pas l'inondation de l'autre côté là-bas. Pour les prisons 1 et 2, c'est une réussite totale.